Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des nouveautés de chez Burger King. Burger King ont décidé de sortir pas mal de nouveautés, notamment 4 nouveaux burgers ajoutés à la carte, plus un accompagnement, ça concerne les frites. Mais juste avant de vous montrer ce que j'ai pris, les prix et de commencer la dégustation, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. D'ailleurs, un très grand merci encore une fois pour les 48 000 abonnés. N'hésitez pas du coup à follow la chaîne et aussi à la partager pour atteindre les 50 000 abonnés. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like si ces nouveautés vous donnent envie. Et aussi, n'hésitez pas à checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. On part à la découverte des nouveautés de chez Burger King. Petite précision, sur les 4 burgers, j'ai décidé d'en prendre seulement que 2. Voilà, sur les 2 que j'ai pris, c'est vraiment les nouveautés de base avec celui au bœuf et celui au poulet. C'est la même recette, sauf que la viande change. Et les 2 autres burgers, je ne les ai pas pris, c'est simple. On a la version double du bœuf, donc lui je l'ai mis de côté par expérience. Les versions doubles dans les fast-foods, c'est pas trop mon kiff. Voilà, trop de viande tue la viande. Et le dernier burger que je n'ai pas pris en ce qui concerne les nouveautés, c'est simple, c'est la même version que le bœuf mais avec des onion rings en plus, donc j'avais pas trop l'intérêt. Donc je me focalise vraiment sur celui au bœuf simple de base et celui au poulet pour vous donner mon avis et peut-être vous orienter sur le choix des nouveautés. J'ai pris un menu d'un côté et de l'autre un burger simple. Je vais vous dire les prix en commençant par le burger simple. Donc c'est celui au chicken, donc au poulet. Il s'appelle le Steaker King Chicken. Donc le voici, hop. Le packaging simple, efficace. Ce burger seul, il m'a coûté 6,20€. On passe maintenant au menu. Donc pour commencer, j'ai pris un grand coca chéri, hop. L'autre nouveauté, c'est les accompagnements. Comme je vous disais en début de vidéo, il s'agit des King Fries, les gars. Regardez, hop, juste ici. Donc ça, c'est 1,20€ en plus de votre menu. Et ensuite, pour finir, le Steaker King au bœuf, hop. Donc pour le nouveau burger, les frites King Fries et la boisson, j'en ai eu pour 10,60€. Donc si vous voulez vraiment tester les nouveautés de base avec les 2 burgers plus les King Fries et une boisson, vous en avez pour un total de 16,80€. Je vais déballer les nouveaux burgers en commençant. Il me semble que c'est le chicken, c'est coché à côté du poulet. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Mais juste avant, on va voir à quoi il ressemble. C'est parti, je vous laisse découvrir avant moi. Ok, donc ça m'a l'air d'être un steakhouse un peu, regardez. Ça a l'aspect d'un steakhouse, mais ça porte pas le même nom. Donc celui-là, c'est celui au poulet, on voit bien le cheddar juste ici. Donc voici le Chicken Steaker King, donc il est juste ici. Donc il ressemble pas forcément à la photo, mais ça on a l'habitude. On voit pas forcément le bacon. Et à l'intérieur, on va y retrouver un pain brioché avec des éclats de maïs. Donc ça, c'est le pain de base que vous retrouvez dans le steakhouse. Avec des tranches de cheddar fondu, du bacon fumé, un filet de poulet pané croustillant et une sauce légèrement sucrée. Donc, il y a une odeur qui se dégage et je vous le dis, et je suis pas fou, ça sent la truffe. Alors que ça n'a rien à voir, c'est une sauce légèrement sucrée. On va la goûter d'ailleurs parce qu'on va la retrouver dans les frites cheddar bacon. Pour le deuxième burger, celui au bœuf, c'est la même composition. Je vous montre rapidement. Hop. Donc, le steak, il est vraiment badass avec du cheddar sur le côté. Voilà, donc c'est vraiment la même composition, sauf qu'on va y retrouver du bœuf à la place du poulet. Je vous montre juste sa version en photo. Donc encore une fois, on voit pas forcément le bacon, mais on voit plus le cheddar. Bref, on passe maintenant à la dégustation avec les nouvelles King Fries. Alors je vous lis rapidement ce qu'il y a à l'intérieur du côté des King Fries. Alors c'est des frites accompagnées d'une délicieuse sauce cheese et d'éclats de bacon croustillant. Donc à l'intérieur, il me semble normalement qu'il y avait la sauce légèrement sucrée, mais il me semble que non. Donc voici les nouvelles frites King Fries, hop, donc elles sont juste ici. J'ai l'impression que c'est des frites cheddar bacon avec des oignons frits. Je sais pas ce que vous en pensez, je vois pas où est la nouveauté. Peut-être au goût, on va goûter dès maintenant. C'est parti pour les nouvelles frites, hop, de chez Burger King. Elles sont incroyables. C'est simple, c'est les meilleurs King Fries de chez Burger King. Franchement, c'est incroyable. C'est super gras. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. C'est super gras, mais la sauce, elle est juste incroyable. Si la sauce des King Fries, elle est dans les burgers, mais là, c'est juste une tuerie. Regardez-moi ça, le bloc de fromage, cette sauce cheese avec du bacon, des oignons frits.
Donc vraiment, c'est full gras. Dans ma bouche, je le sens vraiment, mais en termes de goût, franchement, c'est incroyable. J'arrivais pas à décrire le goût, mais ça y est, j'ai le goût enfin. Ça me fait penser à de la sauce samouraï, je vous jure que c'est vrai. Et la sauce samouraï, c'est quelque chose que je kiffe. Et là, franchement, les retrouver ici, je dis pas qu'ils ont mis de la sauce samouraï à l'intérieur, attention. Mais le goût s'en rapproche énormément et franchement, c'est une tuerie. Regardez-moi ce croc. Là, pour le coup, en termes de quantité, ils ont vraiment mis la dose de bacon, d'oignons frits, de sauce. Franchement, c'est les meilleurs King Fries que j'ai goûté chez BK. Par contre, niveau gras, on y est. C'est vraiment fat de fou. Donc, vous êtes prévenus. Je vous les conseille, mais c'est vraiment fat. Hein. Donc, les King Fries validés, vraiment ultra validés. Je les mets de côté. On va passer maintenant au nouveau burger. Je vais commencer par celui au poulet, juste avant. Petite pause. Hop, Coca Cherry. Avec des glaçons, qui dit glaçons dit ASMR, c'est parti. C'est froid. On passe maintenant aux nouveautés, les deux nouveaux burgers. Hop, en commençant par celui au poulet. Je vous cache pas que moi j'ai une préférence pour les burgers au poulet. Peut-être que là ça va changer la donne, que le bœuf va prendre le dessus. C'est la même composition avec du bacon, du cheddar, sauf la viande qui change. C'est parti. Je suis en train de voyager. Le poulet chez Burger King, enfin leur burger où se trouve le poulet, c'est incroyable. J'ai pas les mots. Il est incroyable. Le pain, il est vraiment moelleux. Il est vraiment brioché pour le coup avec des petites graines de maïs. Pour le coup, ça ressemble au pain du steakhouse. Mais il me semble de souvenir, le pain du steakhouse, c'est plutôt moelleux. Enfin, dans le sens où c'est plus sympa avec des graines de sésame, on va dire, même s'il a les mêmes copeaux de maïs sur le dessus, que là, c'est plus un pain brioché avec des petites graines de maïs. Ça change vraiment la donne. Franchement, je préfère ce pain-là. Il est doux, ça passe, ça coulisse tellement bien. Le poulet, il est juste onctueux, moelleux. En termes de texture, par contre, on sent pas vraiment le croustillant du bacon, ni le goût. Le fromage, on le sent vraiment. Et la sauce que j'avais dans les King Fries, je la retrouve pas forcément dans le burger. Donc, je sais pas, peut-être que c'est différent, mais j'ai l'impression que c'est la même. Vu que ça sent la même odeur, mais elle se fait discrète. C'est dommage parce que la sauce, elle est incroyable. Je vais retaper un croc. Regardez le croc que je tapais au milieu. Là, j'ai carrément zappé celui au bœuf. Il m'attend. Les... Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Ah, il va tomber. Je suis en train de manger celui au poulet. Franchement, c'est un pur kiff. Je vous le conseille. Hein. Je vais le mettre de côté parce que je vois que celui au bœuf, il est jaloux. Il a envie de se faire manger. Lui aussi, il a envie que je lui fasse des crocs. Donc regardez, je vous le montre une dernière fois avant de le déguster. On voit bien le cheese, le bacon un peu moins, mais en vrai, je ne l'ai pas ouvert le burger et on peut y retrouver encore une fois. C'est la même composition, mais la sauce qu'on retrouve dans les King Fries.
Ouais, par contre, elle se fait plus discrète dans le burger que dans les King Fries. Ça a un léger goût, voilà, ça a un arrière-goût plutôt. Mais elle est super bonne, hein. Franchement, validée. Hein. Avant de l'attaquer, petite pause, encore une fois, Coca chérie. Je vais taper là où il y a le fromage, c'est parti. Ah là par contre, il y a quelques petites remarques à faire sur le burger bœuf. C'est que bah, le steak grillé à la flamme, il a plutôt à être sec. Enfin, pour le coup, dans ce burger-là, il est sec. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont compensé en mettant plus de sauce. Je sais pas, regardez, on voit bien la sauce. Ils ont ajouté plus de sauce, j'ai l'impression. Dans le burger au bœuf, on sent vraiment la sauce qu'on retrouve dans les King Fries, donc la sauce légèrement sucrée. C'est un arrière-goût de samouraï, ça a l'odeur de la truffe, donc rien ne va dans la vidéo, dans la sauce. Mais en tout cas, dans celui au bœuf, ce qui prend le goût, c'est l'arrière-goût du steak grillé à la flamme, mais surtout la sauce, et c'est un bon point, parce que la sauce, elle est très bonne. Que dans celui au poulet, c'est vraiment le poulet bien onctueux, léger goût de bacon, léger goût de la sauce et du fromage. Mais dans celui au bœuf, c'est la sauce qui prend le dessus et franchement, c'est bon. Mais en termes de texture, je préfère quand même celui au poulet. C'est plus moelleux. Là, c'est plus sec à cause du steak grillé à la flamme. Je vais regoûter celui au poulet parce que, très franchement, j'ai envie de vous dire que le bœuf est meilleur que celui au poulet. En termes de texture, le poulet, il est mieux. Mais en termes de goût, j'ai l'impression, enfin, c'est kiff-kiff. Si on peut assembler les deux, plus de sauce dans celui au poulet et plus d'onctuosité du côté du bœuf, ça ferait le burger parfait. Je pense qu'on est sur une égalité et franchement, ils sont super beaux. Donc un conseil, n'hésitez pas à prendre les deux nouveautés plus les King Fries. Dernier croc. Donc voilà, c'est la fin de la dégustation. J'espère que ça vous aura plu. En ce qui concerne les nouveautés, vraiment, n'hésitez pas à prendre le package, les deux burgers, poulet et bœuf. Et n'hésitez pas aussi à prendre les King Fries en supplément. Il y en aura pour un total de 16 euros à peu près. Et franchement, ça vaut le coup. Ça change des nouveautés. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas dégusté des nouveautés de chez Burger King. Et ces nouveautés-là, franchement, elles sont super bonnes. Ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas limite préféré la nouveauté bœuf, la nouveauté poulet. Mais franchement, on part sur une égalité. Les deux burgers, ils sont vraiment excellents. Donc, n'hésitez pas à les tester. Les deux autres burgers, j'ai tendance à vous dire, c'est pas qu'ils servent à rien, mais dans celui au steak, vous avez la version double. Je pense que un steak, ça suffit largement. Et dans l'autre, vous avez juste des oignons frits dans la nouveauté. Donc, au pire des cas, si vous aimez les onion rings, vous prenez le burger au bœuf et vous prenez en accompagnement des onion rings et vous les rajoutez dans le burger. Ça fait la nouveauté. En tout cas, super découverte. Les King Fries aussi, mais par contre, c'est super fat. Là, franchement, le tout, ça pèse vraiment. Mais j'ai vraiment kiffé. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci encore une fois pour les 48 000 abonnés. Continuez à vous abonner sur la chaîne. Continuez à partager la chaîne. N'hésitez pas à checker ma description. Tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. Insta, Snap, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou même me follow. Activez la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!